Il n'y a pas de raison que tu dises que toi, tu ne sais rien faire. Tu n'as pas vu ta maman faire les beignets, braiser le poisson. Tu crois que pop-corn, c'est quoi? C'est un maïs qu'on a décortiqué, qu'on a grillé, il a seulement éclaté. Ça veut dire que les Camerounais, nous buvons la bière chaque année pour 650 milliards. C'est trop. Un peuple qui s'alcoolise comme ça peut-il travailler? Il faut boire la bière. Mais il faut qu'on remette sur la table. On refonde la justice. On refonde la constitution. On réécrit la loi électorale. Parce qu'en même temps, Duval, la troisième entreprise sur les top 10, c'est les brasseries du Cameroun. Il y a le cochon braisé et le poisson braisé en désordre. Tu rentres ivre, tu tapes ta femme. Tu sais pas si ces enfants ont travaillé à l'école et on veut que le Cameroun se développe. Non. On doit être un producteur de richesse. Et comment on fait pour produire la richesse? On apprend ça à l'école. Si ce n'est pas à l'école, c'est à l'atelier. Si ce n'est pas à l'atelier, c'est au cabinet. Si ce n'est pas au cabinet, c'est en entreprise. Si ce n'est pas là-bas, c'est à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est chez le voisin. Il n'y a pas de raison que tu dises que toi, tu ne sais rien faire. Avec les contrôleurs d'État très 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 corrompus, la République est devenue bananière, Biyoubi Pé et l'équipe.